Hey les amis, bienvenue au canal du Midi. Nous partons de Carcassonne pour rejoindre Colombiers à proximité de Béziers. Il a été construit au XVIIe siècle par Paul Riquet et mesure 241 km. Relié à la Garonne à Toulouse, il permet de rejoindre l'Atlantique à la Méditerranée. Conduire une péniche, c'était une première pour nous et c'était facile jusqu'à la première écluse. Nous étions en stress total, mais finalement, c'est simple. Et les éclusiers sympas nous ont aidés. Certaines maisons d'éclusiers sont décorées telles des musées à ciel ouvert. Le canal du Midi traverse des paysages verdoyants, mais également des ouvrages d'art tels que les ponts-canals et enfin les villes et villages charismatiques. Étape incontournable de notre croisière sur le canal du Midi, la cité de Carcassonne.
Et voilà, notre croisière sur le canal du Midi en péniche est terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre plein de pouces bleus et des commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. Et surtout, voyagez, vivez vos rêves. Au revoir.